Je m'appelle Sergio Aranda. Je suis artiste plasticien. Mon atelier est situé à Paris, dans le 12e arrondissement, plus précisément dans le quartier de Reuilly. Auparavant, j'ai vécu en Suisse, pays où je suis né, et en Espagne, à Barcelone et à Madrid. Mon travail est une réinterprétation de perception que j'ai de l'espace ou de la couleur. J'aime travailler la matière, donc je crée toujours une structure sur mes toiles avec différents matériaux comme des collages, du sable. La texture me donne un support pour démarrer. Il est évident que dans mon travail, la matière et la texture ont un rôle très important. Mais disons que le vrai fil conducteur, c'est la corrosion des matériaux. J'aime également créer un certain dialogue entre certains matériaux complètement opposés. Une de mes activités quotidiennes, c'est la marche, qui a le grand avantage de pouvoir se pratiquer partout. Quand j'ai quelques jours de libre et que je ressens le besoin de m'éloigner de la vie trépidante parisienne, je viens m'inspirer dans ce paysage rude et presque lunaire qu'offre l'île de Lanzarote. L'ensemble de l'île est formé de matériaux volcaniques d'une telle variété et beauté que je m'en lasse jamais. Actuellement, c'est vraiment le lieu qui marque et qui inspire le plus mon travail. So this work is particularly interesting because it's inspired by the natural landscape, particularly of the island of Lanzarote in the Canary Islands in Spain. And we see this inspiration particularly in the tactile quality of the work, in the texture that makes us almost want to touch the works. We see what appear to be little rock formations, and it gives us a new quality to his works, one which is more sculptural, makes us imagine nature straight on a canvas. What I love about Sergio's works is the dynamism of texture that he applies. So that spontaneity is achieved in the variety of texture, of contours, and then the feelings that come out of that. But then it's very structured as well in the sense that he applies his media very meticulously. He layers it precisely, and it results in a really beautiful piece of work. As one whole structure. Le Père Lachaise, c'est sans aucun doute un des cimetières les plus connus au monde. Cette énorme nécropole, c'est également le plus grand des parcs parisiens, qui d'ailleurs est utilisé comme tel par les habitants et les touristes. C'est un lieu que j'aime venir m'y promener, réfléchir, méditer tout en contemplant la beauté omniprésente de ce lieu, car ce cimetière, c'est également un incroyable musée à ciel ouvert, où l'on peut admirer différentes architectures des chapelles, des sculptures, des bustes, des ornements,
et des portes en fer forgé. C'est certainement mon endroit favori où admirer la corrosion, la rouille dans toute sa splendeur. Mon travail est une sorte de métaphore à la vie et au temps qui passe. La dégradation des matériaux, c'est une similitude au vieillissement. Avec mon travail, je souhaite exhiber la beauté de la vieillesse, que notre société actuelle essaye de cacher, de retarder, de modifier tant bien que mal, mais ça fait partie de la vie. Vieillir, c'est vivre. Je travaille dans le monde muséal depuis une quinzaine d'années et j'aime la peinture, la sculpture, la photographie et la mode que je sers dans mon quotidien depuis plusieurs années. J'ai rencontré Sergio il y a quelques années chez un ami cher qui s'appelle Serge et on s'est perdu de vue parce que Sergio était toujours entre deux avions, entre l'Espagne, la France, mais j'avais eu un vrai coup de cœur amical pour lui. Et quelques années plus tard, j'ai eu un nouveau coup de cœur pour Sergio à Ronda en tant que peintre. Et on s'est retrouvés. Je suis allée le voir dans son atelier, j'ai découvert son travail, dont j'avais eu un aperçu. Il y a une rencontre qu'on a avec l'art, des choses qui vous parlent, des choses qui ne vous parlent pas. Et là, ça m'a tout de suite évoqué des choses. Et il avait fait des peintures comme ça, dans ses bleus. Et je lui ai parlé de ce que j'aimais dans son travail. Et là, il m'a proposé une commande. Il m'a dit, écoute, je vais te faire dans le format que tu veux, avec les couleurs que tu veux, la matière que tu veux. Et bien sûr, l'artiste a ensuite fait le reste, mais il avait quand même, c'était comme un privilège pour moi de passer commande. Et j'étais très excitée entre le moment où il y a eu cette commande et la réalisation. Qu'est-ce qu'il allait faire, puisqu'il le faisait pour moi. Et je me suis sentie vraiment comme des grands commanditaires de peinture, d'artistes, et on veut quelque chose, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et quand il m'a montré le résultat, j'étais très touchée parce que c'était plus beau que ce que j'avais imaginé. Et son travail m'a fait penser à Soulages, que j'aime énormément, mais à Soulages de la couleur. Dans la peinture de Soulages, ce que j'aime beaucoup, c'est la texture et l'effet de la lumière sur ces toiles. Et on retrouve ça beaucoup dans le travail de Sergio Aranda.